Départ de la station centrale. Destination, station de la faille. Arrivée à la station de la faille, complexe de recherche de Twin Helix. Je suis bloqué. Mobile. Baissez vos armes. Désolé, impossible de savoir avec certitude ce qu'il y avait dans ce téléphérique. Donc vous avez déjà rencontré ces choses? Rencontré, combattu. J'ai vu des hommes se faire tailler en pièces par ces saloperies. Du coup, on carbure tous au stimulant. Écoutez, vous êtes humain, ça suffit pour que je ne vous tire pas dessus. Mais j'aimerais bien savoir qui vous êtes. Je m'appelle Shepard. Je suis un spectre. À cheval de nez, on ne regarde pas les dents, comme on dit. Surtout si le cheval en question a un énorme flingue. Les labos fortifiés sont tombés la semaine dernière. Seul Han Olar a réussi à en sortir. Et encore, ça ne tourne plus rond là-haut. Avant qu'on ne se rende compte de quoi que ce soit, ils étaient déjà dans mon poste de commandement. On avait plus d'hommes que maintenant. On n'a jamais rien vu de semblable. Qu'est-ce que vous savez ? Je ne suis pas xénobiologiste. Tout ce que je peux dire, c'est qu'ils se déplacent vite, qu'ils sont futés et qu'il y en a un sacré paquet. Le comité a envoyé une Asari pour gérer le bazar. Elle est partie pour les labos fortifiés hier. Plus de nouvelles depuis. Venezia, elle est toujours là-bas? Je ne sais pas, mais je ne vois pas comment une seule personne pourrait s'en sortir. Il y a un ascenseur d'urgence près des téléphériques que vous pouvez activer avec cette carte. Il vous emmènera au labo. Si vous avez besoin de soins, le docteur Cohen est en bas, à l'infirmerie. J'ai du travail. Ça, je veux bien cr... Merde! Surveillez le périmètre! À couvert! Dégagez! Merci pour le coup de main. Plusieurs fois par jour, un groupe arrive par le tunnel du téléphérique. Ça s'est amélioré depuis qu'on a verrouillé l'ascenseur. On est tous dans la même galère. Je ne comprends pas pourquoi ils se lancent droit sur nos défenses. Même des animaux finiraient par comprendre que ça ne marche pas. Pardon, je m'en vais. Dans ce cas, je retourne à ma méditation. Attention, protocole de sécurité Watchdog activé. Veuillez contacter un agent pour toute opération de maintenance. Accrochez-vous ! Je savais que vous auriez un remède.
Quoi? Que voulez-vous? J'ai eu une journée difficile. Ne me gonflez pas. Désolé, c'est le manque de sommeil. Je dois me rendre en zone de maintenance. J'ai une autorisation, mais il n'y a rien là-bas. Que de la neige. Enfin, de la neige et un accès à la maintenance. Je vais aller là-bas d'une façon ou d'une autre. Autant éviter de faire des trous supplémentaires. Pas faux. Tenez, ne dites rien aux gardes. Ils sont assez nerveux comme ça. À plus tard. C'est cela, oui. Venez sécuriser le complexe? Si par sécuriser vous voulez dire massacrer tous les monstres, alors oui. Je comprends que vous soyez énervé. Mais ce qui arrive ici, c'est notre faute, vous voyez? Attendez. Vous n'avez pas vu une matriarche Asari par ici? Une Asari? Je n'en ai pas vu, non. Elle doit être à la faille, commandant. Ça n'est pas important. Vous, écoutez-moi. Twenelix a trouvé un œuf sur un vaisseau très ancien, qui dérivait depuis des millénaires. C'était un vaisseau Rakni. À l'intérieur, ils ont trouvé de nombreux œufs en suspension cryogénique. Des Rakni? Mais les Krogan les ont exterminés il y a plus d'un millénaire. Oui. La guerre a fait des milliards de morts, dans chaque camp. Et vous avez réussi à faire éclore un œuf aussi ancien? Oui. Une cryostase si longue, c'est très dur d'en sortir. C'est un miracle qu'il ait résisté au passage du temps. Twenelix voulait cloner les Rakni, les produire à grande échelle pour créer une armée. Mais à leur arrivée, ils ont compris que l'œuf n'était pas celui d'un vulgaire Rakni. C'était un œuf de reine. Après la ponte, ils ont envoyé la reine à la faille, en pensant que sans elle, les bébés Rakni seraient plus obéissants. Attendez, comment la reine a pu être fécondée sans mâle? Les reines, Rakni, naissent avec le code génétique de leur père. Ensuite, les œufs sont emportés loin pour fonder une autre colonie. Les reines peuvent pondre en quelques heures et avoir une nouvelle colonie en quelques jours. Leur croissance est très rapide. Tout ça est très intéressant, mais nous ne sommes pas venus ici pour bavarder. Ces Rakni sont trop dangereux. C'est triste, mais ils doivent mourir. Vous pourriez activer la bombe neutronique.
Elle fonctionne comment, cette bombe? C'est une explosion de neutrons irradiants. Ça tue tout à l'intérieur de la station et... il faut s'attendre à des dégâts génétiques sur les formes de vie à proximité. J'ai autre chose à faire. Si la matriarche n'est pas là, on part. Et vous croyez que moi... j'ai choisi de rester ici? Le système Mira ne va pas vous laisser partir. Question de sécurité, vous voyez. Si vous partez sans éliminer les Rachnies, ils risquent de se répandre. Connexion en cours. J'ai accès à tous les systèmes du complexe. Que désirez-vous? J'aimerais en savoir plus sur la bombe neutronique. La bombe neutronique est un dispositif de sécurité installé dans la zone des tubes d'isolation. Elle est utilisée comme dernier recours en cas de détérioration irrémédiable du confinement. Et elle fait quoi exactement? La bombe neutronique est composée de deux volumes de matière fissile dont la conjonction permet d'atteindre une masse critique. Une intense énergie s'en échappe sous la forme de neutrons propulsés à haute vitesse. Il en résulte une radiation mortelle pour toute forme de vie connue dans un rayon de 500 mètres. On ne pouvait déjà pas toucher grand-chose ici. Active la bombe neutronique. Désolé, je ne peux accéder à votre requête sans le code d'autorisation adéquat. Sic semper tyrann. Code incorrect. Veuillez vous rendre au poste de sécurité pour arrestation et interrogatoire. Qui pourrait nous donner ce code? Yaroslav Tartakovsky, directeur des opérations, ou tout autre cadre supérieur de Twin Helix. À plus tard. À plus tard, commandant. Vous revoilà. Vous avez trouvé une clé d'activation? Moi, ça va pas fort. Qu'est-ce que je dois faire? Les commandes pour armer la bombe sont à côté. Vous insérez la clé, et ensuite je donne le code à Mira. Oh. Fonction activée. En quoi puis-je vous être utile? Active la bombe neutronique. Désolé, je ne peux accéder à votre requête sans le code d'autorisation adéquat. Autorisation 875-020-079, exécution locale du code Oméga. Confirmé. Exécution du code Oméga dans 120 secondes. Thank you.
Désolé, Shepard. J'agis sur ordre de Benetia. Feu à volonté! Désolé, Shepard, j'agis sur ordre de Benetia. Feu à volonté! On peut y aller, commandant. Thank you.
va mieux? Vous n'avez pas idée du privilège qu'il y a à être mère. Car la création est un pouvoir. Former une vie, la guider vers le bonheur ou le désespoir. Ces enfants auraient dû être les nôtres, élevés pour chasser et abattre les ennemis de sa reine. Avez-vous déjà combattu un commando Asari? Peu d'humains l'ont fait. Il n'y a visiblement pas d'issue pacifique à ce problème.
Effectivement. Pas le bon moment.